Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, voilà, je raye mon petit bout de tableau. Voilà, donc on va aller construire un petit robot, hein, un petit robot, vraiment, vraiment petit robot, finalement. Vous allez voir pourquoi je dis petit robot. On va le construire sur une base assez particulière, en tout cas, on va essayer de le construire sur cette base-là. J'aimerais tenter une base sur le principe du 2. Voilà. Hop. Voilà. Il y a peut-être encore une barre. Non, c'est très bien comme ça, finalement. Hop. Ok. Hop. Attendez, 1, 2. Donc c'est là. Hop. Attendez. 1. Ah bah non, c'est bien. C'était bon. Hop. Ok. Crac. Hop. Bon, ça, on verra ça plus tard. Je vais faire plutôt le plat d'abord. Hop, crac. Voilà. Donc, l'objectif de ce robot, c'est qu'il soit assez performant sur une certaine distance. C'est-à-dire, je voudrais que ce robot puisse utiliser uniquement ce genre d'armement. Pardon, pas celui-là, excusez-moi, celui-ci. Des armements qui sont très rapides à utiliser. J'aimerais donc qu'il soit vraiment à même de profiter véritablement à fond de cet équipement. Pour ce faire, j'aimerais augmenter sa puissance. Donc j'ai acheté un... Hop. Power Booster, j'ai aussi acheté un Blink Module pour qu'il puisse s'échapper, tout simplement. Voilà les bases, entre guillemets, de ce robot. Maintenant, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il soit assez plat, finalement. C'est pour ça que j'hésite à le faire sur 2 ou sur 3, et je pense que je vais peut-être le faire sur 3, finalement, mais bon, ça, ce sera à voir à la fin. Parce que là, il y a contact, et si je rajoute encore un... Par principe, j'en rajouter plusieurs. Hop. Est-ce que là il est d'accord. D'accord. Et là aussi il est d'accord. Ok. Ça c'est intéressant. D'ailleurs non, j'ai même pas besoin de ça parce que je pourrais le mettre ici. Ok. On va partir sur cette base là alors, hein. Pourquoi pas le faire en mode Raymanta, ça me plairait bien, si je puis dire. Là, je viens de voir la forme. Ça me plaît assez bien. Hop. On n'a pas vu trop de robots comme ça. Donc pour moi, ça m'intéresse. Ne vous inquiétez pas, je m'arrangerai pour tout ce qui est des l'emplacement des armements. Ok. Bon, si on peut appeler ça une Raymanta, hein, bien sûr. Ok. Par exemple, ici, je peux peut-être couper... là. Hop. Voilà. Voilà. Faudrait que je regarde d'abord une Raymanta à quoi ça ressemble. Enfin, je sais plus ou moins à quoi ça ressemble, mais... c'est peut-être plus comme ça, finalement. Hop. Hop. Ok, et derrière justement sera peut-être un peu plus Hop. Je pense, hein, j'imagine ça comme ça plutôt.
Bizarrement, ici, je l'imagine plus... voilà, comme ça. Ok, bon. C'est du cosmétique pour l'instant. On va essayer de lui donner un petit peu d'épaisseur quand même. En tout cas, pour en faire les contours. Donc, je pense que ça, ce serait peut-être une bonne idée. Hop, 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 hop. Et enfin, crac, 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 crac. Ok. Pour les contours, je pense que ça sera plus ou moins comme ça qu'on la fera. On refait la même chose en dessous, chers amis. Hop. Crac. Ici, pareil. Là aussi, là aussi. Hop. Ok. Alors. Ensuite, donc, mode de déplacement. Bah, mode de déplacement, ça va pas être très très compliqué. Hein. Vous comprenez déjà sans doute ce que je veux faire. D'ailleurs, je vais en avoir un grand, mais je sais pas si le grand peut rentrer dans un... truc aussi petit. Et en plus, il est basé sur une... il est sur une base de 3. Donc, je vais éviter le grand. Je vais éviter le grand. Ok. Niveau dimensionnement... il faudrait peut-être que je... je rajoute 1. Ce qui me donne un véritable centre. Qui se trouve ici, si je me trompe pas. Voilà. Alors, est-ce que j'en rajoute 1 ou pas? Parce que si je le rajoute pas, ça fait que le centre devient ici. Ça. C'est que je peux rajouter mes trous par là. Ce serait peut-être pas plus mal finalement. Ok, on va passer là-dessus, on va bien voir. Trop près du bord. Là, là, je vous ai entendu rager, chers amis. N'inquiétez pas. Vaut mieux qu'il soit derrière. De toute façon, vous inquiétez pas, on se resolidifiera tout ça. Il n'y a pas de souci. Du coup, si on fait ça comme ça, il va nous falloir aussi renforcer l'intérieur des trucs. Hop. Hop. Et hop. Ça, c'est pas plus mal. Est-ce que justement... je devrais pas commencer déjà à faire les bords? Si, allons-y. Hop. En même temps, d'avoir une petite idée un petit peu de ce à quoi ça va ressembler finalement. Ok. Donc là, c'est bon. Ok, parfait. Parfait, parfait. Juste pour voir. Ouais, c'était vraiment une... une version très particulière de l'arrêt, hein. Par principe. Hop. Ok. Et peut-être qu'ici, je vais la rallonger un petit peu. Sur les côtés. Hop. Crac. Et là, intentionnellement, je la fais comme ça. Hop. Voilà. Hop. Un peu plus épaisse quand même. Hop.
Oui, je sais, je refais toute une partie que j'avais déjà pratiquement terminée. Enfin, pratiquement terminée, tout est relatif. Mais je reviens en arrière sur beaucoup de choses, là, pour le coup, oui, effectivement. Hop, hop, et hop. Du coup, il va falloir que je revoie le placement de ça. Hop. Alors, voilà, j'ai ma forme de base. Alors que je vois aussi du coup derrière comment que ça va rendre au niveau de ces cubes. Alors j'ajoute une épaisseur, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, ça donne quoi? Si je veux faire ça, il faudra que ce soit comme ça. Ceci. Ok. Et du coup, je peux rajouter deux. Comme ça, ici. Ici. Hop. Et du coup, ici, je suis bon. Ok, ça c'est fait. Ça c'est bon. Un cube classique. Cette fois-ci, des cubes comme ça. Oui, oui, c'est ça. Hop. Et puis il faudra faire le en dessous aussi. Crac. Je vais être un peu plus content de moi vis-à-vis de cette fameuse Raymanta. Hop. C'est très important. Tout est relatif, hein. Hop. Non. Comme ça. Alors oui, c'est parce que j'ai pris là, voilà, tout à fait. Crac. Alors, pour l'instant, là, je peux mettre ça comme ça. Ok. Donc tout l'arrière est fait pour ce côté-là. Crac. Ici, on va remettre tous les cubes comme ça. Ensuite, on finalise la chose. Voilà. Et ensuite, on reprend celui-là. Et on termine le contour. Ça ressemble plus à une Raymanta, vite fait. Plus à un Baby Manta qu'à une Raymanta, pour ceux qui voient la référence. Ok, bon. Alors, ensuite, on refait pareil de l'autre côté. Ici, ici, ici. Vous voyez que ça aide d'avoir les... D'avoir les, comment... Les trucs normaux là au milieu pour... Enfin, les petits... Pour savoir où est-ce que je dois placer les autres. Hop. Et par exemple là j'en ai oublié un. Ici. Non j'en ai pas oublié un. Non c'est moi qui raconte des conneries. Hop. Voilà. Hop. Voilà la forme que l'on a. Plus ou moins. Hop. Du coup. Si je mets, regardez, c'est pour ça que je le fais comme ça. Techniquement, si je mets celui-ci ici. Hop. Le point d'emport est là, donc du coup, ils seront forcément... ils seront forcément à voir. Je pense. Je pense. Bon, de toute façon, on reviendra dessus à la fin. Ok, parce que ce n'est pas le mode de déplacement de base que je veux lui donner. Ce n'est pas ce mode de déplacement là que je veux lui donner. J'espère franchement que ça va passer. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Hop. Comme c'est le principe, hein, toujours, toujours faire attention. Hop. Hélicoptère. Crac. Ça passe? Ça passe. Alors celle-là passe. Est-ce que celle-là passerait? Non, voilà, c'est ça. Ok, alors j'espère que ce sera suffisant. J'espère
On va bien voir si je me trompe ou pas. Normalement. Ah merde, ça touche. Ça touche, ça touche. Et si je la réduis d'un cran? Touche aussi. Quel que soit l'endroit où je la mets, là ça touche. Ça touchera forcément aussi. Ici aussi. Oh la vache. Ah, ça touche de partout. Horreur. Enfer et damnation. Merde. Ça, c'était pas prévu. Ça touche autant. Si je puis dire. Merde, merde, merde. Bon, peut-être reculer un petit peu tout ça, du coup. Hop. Je vais le reculer un peu, c'est pas grave. Et je vais le faire sur une base de 3 pour le rendre peut-être un peu plus solide. Alors la base de 3, comment je vais la faire? Comme ça, oui. J'aurais pu reprendre dessus, oui, effectivement. Vous avez raison, chers amis. Vous avez raison. Hop. Et du coup... Du coup... Non, faut mieux que je la fasse là, à partir de là, la base de 3. Hop. Comme ça, là, j'ai accès à ce cube-là. Et je suis donc un cran plus loin. Mais est-ce que ça va être suffisant? Ça, je l'ignore. Et je l'admets bien volontiers. Hop. Crac, crac. J'aime pas si ça va être suffisant pour soulever tout le truc. On verra, on verra, on verra. Ici, ok. Non, mouvement, pardon. Hop. Ici, crac. Crac. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, il y en a une qui est buggée en dessous. Hop, c'est ici, hein. Je me trompe pas. Non, c'est un cran plus loin. Hop, voilà. Tout est buggé d'ailleurs sur le côté là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bizarre, bizarre, bizarre. Bref, ok. Donc là du coup, si je prends ça, je peux toujours pas les placer là. Oh si. Et non. sauf si je rajoute une couche, littéralement. Parce que dans ce cas-là, je répète le... Le principe de la dernière fois. Enfin, le motif, voilà, ça y est, j'oublie les mots que j'emploie habituellement, c'est dommage. Ce motif-là se terminera comme ça. Crac. Crac. Du coup, de haut, ça va faire un petit peu moins remonta. Quoique, quoique, quoique. Par contre, en dessous, il va falloir que je corrige ça aussi. Hop. Hop. Et on est bon. Là, c'est bon. Mes 6 armes sont passées, littéralement. Hein. Elles ont toutes passé sans le moindre problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de, bah, de remplir un petit peu le robot, tout en essayant de l'alléger un maximum. Et surtout de lui donner la propulsion. Ce qui va être un des problèmes principaux du robot, je pense. Ça va être de voir où est-ce que je peux lui mettre la propulsion, où est-ce que je ne peux pas. Hop. Il y a
sûrement y avoir aussi une phase d'allègement, maintenant que j'y pense. Hop. 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 Ok. Ça, c'est bon. Alors, au niveau de la propulsion maintenant. Alors, la propulsion, moi, je l'aurais bien vu. J'ai peut-être oublié. Il faudrait peut-être que je fasse ça aussi d'abord. Ok. Alors, attendez. On va commencer par ça. Oui, parce que je compte bien lui donner de la... du relief aussi au niveau des rotors. Hein. Vous avez remarqué. Hop, voilà. Crac. Alors, comment je vais gérer ça? Hop, hop. Et c'est forcément là que ça va pas le faire. Comme tout à l'heure finalement. Ok, pourquoi pas. Alors, voyons voir comment je peux régler ce problème. Voilà. Et donc ici, je mettrai... Ça m'arrange pas de mettre ça. Le problème reste le même du coup. Hop. Crac. Hop. Quoique ça me protège peut-être un petit peu le truc, je sais pas. Je sais pas si ça rend vraiment ça utile. Mais, enfin, c'est pas si moche que ça finalement. Ok, bon, pourquoi pas, je veux bien essayer. Je veux bien essayer. Par en dessous du coup, là, j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas mis ceci. Ni cela. Ok. Hop. Du coup ça, crac, et crac, eh ben, il va me falloir de la propulsion au moins dans les airs, hein, pour me propulser je pense vers le haut. Au moins aussi un petit peu, alors ça c'est tout con mais, je sais pas si ça va marcher. Un petit peu de cube s'il te plaît, merci. Crac, si ça peut alléger un petit peu tout ça, même si du coup si je le mets là ça va alléger l'arrière, ce qui n'est pas intéressant pour nous. Ouais, plutôt que j'allège l'avant. Hop. Hop, voilà. Il m'en fera peut-être un de plus pour la forme. Pardon. Hop. J'en prends un petit peu plus au cas où, hein, mais... Véritablement au cas où... Par principe, si j'en mets un en dessous là-bas, j'ai envie d'en mettre un en dessous là. Au niveau de l'armement, ok. Bon, ça c'est fait. Donc l'armement est placé, maintenant c'est la propulsion, le tour de la propulsion. Il va nous falloir de la propulsion vers l'avant. Et cette propulsion, donc j'aimerais qu'elle soit basée sur le principe du... Alors est-ce que j'en ai déjà? Apparemment non. Si j'en avais quelques-uns, j'en avais 4. Parfait. Ça, ça va vite m'embêter par contre. Qu'il soit aussi épais va vite... Ah, pourquoi ont-ils disparu? À la faveur des... Ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va chercher un endroit. Hein. Jusqu'à ce qu'on trouve. Alors, est-ce qu'ils se gênent entre eux? On va aller voir. Est-ce qu'ils se gênent entre eux si je les mets là ou pas? Non. Parfait. Hop. Voilà. Donc ça, ça fait ça comme ça. Ça fait un petit côté Star Wars, par contre, là, du coup. Hein. Je veux pas dire, mais... ok. La suite. Alors. Ça faudra sûrement ça comme ça. Hop. Voilà.
crac. Je pense qu'ici je peux refermer devant. Hein. Mince, je me trompe de cube. Hop. Ok, donc normalement je peux pouvoir mettre ce cube là où... Voilà, merci, me dis pas que j'en ai pas. Hop, merci. Crac. Est-ce que du coup entre les deux je peux en mettre un? Ah, c'est dommage. J'aurais adoré. J'aurais adoré pouvoir faire ça. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux mettre un... Ah, cool. Cool, cool, cool. Du coup, est-ce que je peux pas plutôt mettre justement celui-là? Celui-là est placé hein, comme ça, mais du coup ça rend très très moche à l'arrière. Sauf si, regardez. Boum! Ah ah! Eh! Eh! Il y a du talent quand même là. Hein. Vous pouvez pas le nier là pour le coup. Il y a du talent. Ok, ici je vais juste laisser ça comme ça. Sauf si, sauf si, sauf si. Donc, bonk, voilà. Ok. Bon, ça, ça rend bien, je trouve. Ça rend même très bien. Du coup, il va falloir que je refasse exactement la même chose. Ça, ça va être compliqué. Ok, ah, pas bon sens. Hop, voilà. Ici, c'était quoi? C'était ceux-là, effectivement. Oui, je m'en rappelle. Attends que je les vois, je m'en rappelle. Ok. Et donc ici, je peux placer des trucs comme ça. Hop. Ok. Hop. Hop. Ça tourne un petit peu en rond. Je vais avoir le tourner. Ici, voilà. C'est ça que je cherche. Non, c'est pas exactement ça que je voulais pointer, par contre. Voilà, merci. Hop. Hop. De mémoire, celui-là, il va là. Je ne sais plus, ça doit être ça encore. Et cette fois-ci, c'est bien ça. Même si je pense qu'ensuite, il y a re ça. Voilà, ça doit être bon. Et pas vous mentir, ça m'a donné un petit peu la gerbe, là, pour le coup, là. Quitte à passer pour une petite nature, j'en ai rien à foutre. Ouh là là. Je sais pas vous. Si je vous ai donné la gerbe, dites-le. Oh la vache. Oh, c'est violent. On va éviter de vomir partout, Marcus. Hop. Je pense qu'on peut recouvrir. Pourquoi ça veut pas? D'accord. Ok. Donc on a de la propulsion comme ça. Maintenant, hop, ici pareil. Qu'est-ce que font des gamins dans la rue? On est en pleine semaine. Hop. Oui, il se passe des choses dans ma rue, chers amis, apparemment. Hop, non, non, voilà, crac. C'est là qu'on va voir si les hélices à l'arrière sont assez solides pour nous soulever ou pas. Hop, on fait un petit test. On fait un petit test, hop. Même si j'en doute, honnêtement j'en doute, hein. Mais on va bien voir. Ah bah déjà je suis agréablement surpris. Cool. Et ben c'est génial. C'est génial. Bon ben il n'y a plus qu'à placer certains cubes importants qu'on n'a pas placé encore bien sûr. Alors. Hop. Ok.
ce qui est important étant forcément l'outil de téléportation et le power booster, voilà, c'est ça, power booster, qui va me faire beaucoup de mal à placer parce que vous voyez, il est pas... Enfin, il est... Justement, il est. Voilà, on va dire ça comme ça, il est. Mais bon. Celui-ci, par contre, lui, il est aussi sur une base de 3. Ah la vache, il est aussi sur une base de 3. C'est chiant, ça. Comment je vais réussir à placer ces trucs? Alors, attendez, s'ils sont sur une base de 3 tous les deux, je peux peut-être faire un truc au centre, mais ça va pas être beau. Ça va pas être stylé. Je suis à combien? Je suis à 1400 déjà CPU, là, donc je vais pouvoir en placer qu'un, déjà, de base. Donc, plutôt, je dirais plutôt le power booster, pour m'assurer de faire des dégâts. Ah, c'est con qu'ils soient vraiment tous sur une base de 3, honnêtement. Ou alors, faudrait qu'il y ait deux versions, parce que sinon, on peut pas vraiment faire ce qu'on veut, quoi. C'est sain de mettre des trucs... Bon, là, ça fait moche, hein, je veux pas dire, mais là, pour le coup... Ou alors, j'ai place à des endroits... endroits bien faits. Et bien caché. Mais là, j'ai pas trop de place pour un endroit bien fait et bien caché, en fait. C'est ça, le truc. Ah, c'est vraiment con qu'il soit sur une base de... Et en hauteur, il est sur une base de 3 aussi, forcément. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouais, bon. Ou alors je l'équipe. Je l'équipe de commande d'électroplate et on verra bien si ça passe ou pas. Bon, déjà, avant tout, j'aimerais... revoir toutes ces capacités de vol, littéralement. Parce qu'il va nous falloir de la propulsion vers le bas à un moment ou à un autre, hein, chers amis. Chers amis. Par conséquent. Hop. Voilà. Mais il va aussi nous falloir de la capacité de... Hop. La capacité de remonter. Donc on va en mettre à l'arrière, pas à l'avant. C'est fait exprès. Pourquoi à l'arrière, pas à l'avant? Parce que, bah, tout simplement, il faut que ce soit solide à l'avant et ça créera plus de... Ah, merde, il n'y a pas le... Ah! Ok. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc on a des capacités, on a la capacité de monter. Alors peut-être plutôt... Alors j'en ai mis 3 là, 2 là. Donc hop. Peut-être plutôt intervertir certains. Garder ça ici comme ça. Ou alors justement plutôt garder celui-ci et mettre ici de quoi monter. Hop, comme ça on garde un certain équilibre. Donc ça c'est pas trop mal. Du coup je supprime ceux-là pour éviter de perdre justement tout ce principe d'équilibre. En train d'essayer de réfléchir à d'autres choses à faire, hein, chers amis, mais alors c'est compliqué. Ça c'est fait. Ça c'est une bonne chose en soi. Ça, je voulais en ajouter ici, mais est-ce que ça passe? Oui, forcément, ça ne passe pas. J'en doutais un petit peu, à vrai dire, mais... Alors, est-ce que les petits passent, peut-être? Est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt? J'ai un power 0,6... Je sais pas s'il y a vraiment l'intérêt de mettre les petits finalement. Ici c'est quoi ça? Ça passe sur combien? C'est sur une base de... De 3 aussi, dommage. Dommage. Ah c'est vraiment dommage. Y a pas un seul truc sur une base de 2 quoi. À moins que peut-être le... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Éditer. Peut-être que le MP là il est en base de 2 ou en base de 3? Ce serait intéressant de savoir. Base de 2? Bon, de toute façon, on n'en a pas encore eu, donc je vais en acheter un. Ça aussi, je vais en acheter un. Voilà, 300 000, ah, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Ah! Shield ou EMP? Shield ou EMP? On va prendre le MP, vu qu'on n'en a pas. Hop! Voilà.
I. Crac. Base de 2, base de 3. Salaud. Salaud, salaud. Bon, c'est dommage. C'est dommage. De toute façon, ça aurait overload le, comment, le truc, donc c'est pas bon. Ok, bon bah du coup, on va mettre du comment du, de l'électroplate, c'est pas grave. Et donc, pour les électroplates, j'aimerais les mettre... C'est pas dur. Alors, je voulais éviter ça, justement, mais bon, alors c'est dommage. Donc. Ça, c'est pas le bon sens. Oui, Marcus, t'es stupide. Est-ce que je peux, par exemple, les mettre là? Et ensuite, en mettre là? Oh! Oh! Ouh, ça me plaît, ça. Et étrangement, ça me plaît. Au-dessus, j'aimerais aussi mettre des choses pour protéger un minimum les... Des comment, des plasmas. Apparemment, ça sera pas toléré. Ça, je sais pas si ça protège véritablement quelque chose ou pas. Ou alors, peut-être que ça, ce sera peut-être mieux, je sais pas. Ah, non, ceux-là sont sur une base de 3, vous voyez, par exemple. Bon, ça, c'est mort, hein, je crois. Le gros bouclier, ça, j'ai une autre idée pour ça, chers amis. Ça, j'ai clairement une autre idée. Bah, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est... Est-ce qu'une Remanta, ça a des griffes? Normalement, non. J'en ai plus qu'un, c'est ça? Non, de toute façon, ça rend le truc trop agressif. Bon, là, c'est moche. Donc, on va mettre les classiques, hein, finalement. On va les mettre au bon endroit, par contre. Aux bons endroits, plutôt. Parlons français. Ok. Ah, j'aurais tellement aimé pouvoir en mettre une par là. Bon, c'est pas grave. Du coup, par contre, ce qu'on peut peut-être faire, pardon, c'est... Hop. Crac. Augmenter un petit peu le côté... Hop. Le côté, comment dire, un petit peu Triforce, c'est ce qu'on m'a expliqué, donc il fallait que je mette des trucs comme ça, pas forcément dans le mauvais sens. Hop. Crac. Oui, en plus ça rend plutôt bien, je trouve. Ok. Ok. Hop. Ce qui pourrait pour le haut être peut-être une chose utile finalement. Je sais pas si je le fais bien honnêtement. Hein. Je pense que oui, hein, parce que ça doit pas être très très compliqué, je pense. Ok. Bon. Bon. Ben voilà notre robot, je pense. Hein. On va lui trouver une couleur sympa. Ou alors peut-être plutôt comme ça, regardez. Ah, raté. Hop. Ah mince, ça c'était noir. Hop. Crac.
Dans mon idée, c'était noir. Ah, mince, c'était vraiment noir, hein, je... Je sais que tu veux insister sur le fait que tu ne veux pas que ce soit noir, mais quand même, ce sera noir. Hop, voilà. Ah, il y en a encore une. Ok. Hop. Ah, non, j'ai dit noir pour les objets comme ça. Merci. Crac. Ok, c'est bon. Hop. Ça insiste, hein. Hop. Crac, pourquoi pas. Ok, et en dessous, j'aimerais justement que ce soit... Un peu moins coloré, justement. Enfin, un peu plus... plein. Ah, mince. Bon, je vais corriger ça après, c'est pas grave. Hop. Un peu plus unicolore. Si je puis dire. Hop. Ici, le bleu, je peux laisser la touche de bleu. De toute façon, ça allait forcément finir par toucher, chers amis, donc vous inquiétez pas. Hop. Je remettrai en noir ce qui doit être en noir, selon moi. Voilà. Ok, donc le noir, c'était ça. C'était les armes aussi. C'était tout aussi ça. Et me voilà assez satisfait. Bon, on fait un dernier petit test. On va l'essayer quand même. T pour tester. Hop. Et on partira dans le prochain épisode de tester en combat réel. Est-ce qu'il vole toujours? Oui. Bon, il baisse toujours aussi, avec plus ou moins de vitesse. Ce qui est assez agréable. Et ça, ça doit faire assez mal. Reconnaissons-le. Ok, je suis content. Je suis très content. Et en plus, il doit pouvoir se mettre en... Hop. Ah non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, cool. Bon. On n'aura plus qu'à voir dans le premier épisode si oui ou non, il est bon finalement. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. Ah aussi, il y aura sûrement à un moment ou un autre des openings de box sur la chaîne vis-à-vis de... Enfin, de crates pour le jeu. Mais pour l'instant, j'ai fait celui d'Overwatch. Du coup, je peux pas faire celui-ci pour l'instant. Ça viendra d'ici quelques temps. Voilà, salut les gens et yop.